Saint-Valentin, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle news sur TrainSim World 4. Aujourd'hui, news sur le Virtual Vectron, contenu allemand et outils créatifs. On va découvrir un petit peu les news de cet article. Alors, ici nous présente surtout le Vectron, la nouvelle locomotive qui sera présent avec l'édition Deluxe ou la Special Edition. Donc si vous prenez la Special Edition ou l'édition Deluxe, non seulement vous pouvez jouer à partir du 21 septembre au lieu du 26 septembre, mais en plus de ça, vous avez le droit à cette locomotive, le Railpool Vectron. Voilà. Superbe locomotive, très très jolie je trouve. Et ils appellent ça l'ordinateur sur roue en fait, sur rail. Parce qu'en fait il est vraiment blindé d'électronique. Donc encore une fois ils nous disent que TrainSim World arrive donc le 26 septembre avec lui des améliorations majeures, des outils de création populaire ainsi que une toute nouvelle façon pardon, d'exprimer nos talents artistiques grâce au mode photo dont ils utilisent le système ici. Voilà. Dans l'édition Deluxe, les amateurs de rails allemands pourront également essayer la locomotive de haute technologie Vectron. Celle-ci, donc, à voir sur l'itinéraire Dresden-Riesa. Voilà. Donc, la nouvelle locomotive Railpool BR193 Vectron, qui sera uniquement disponible donc, dans le Deluxe Edition et le Special Edition, comme vous pouvez le voir ici. Alors, voilà. Mais en plein écran, ça sera mieux pour moi. Voilà. Donc on a une belle photo un petit peu de cet endroit de la locomotive où on a bien marqué Vectron ici, la lumière du Vectron, et puis ici, la partie amortisseur pour le contact entre la locomotive et les wagons. Nous commençons par jeter un œil à une toute nouvelle locomotive dans TrainSim World 4, donc la Railpool BR193 Vectron. Venue dans l'édition Deluxe Edition et Special Edition de TrainSim World 4, ce dernier ajout à la flotte est l'une des locomotives les plus high-tech et modernes jamais présentées dans notre jeu. La première locomotive de la série Vectron a été présentée au centre de test et de validation de Wegberg-Wildenrath en Allemagne en 2010. Ceux qui connaissent notre centre de formation depuis TrainSim World 3 sauront que la configuration est inspirée de la même piste d'essai. Ok. Si on regarde un petit peu le son et le bruit de cette locomotive BR193 Vectron, le showcase, c'est parti. Donc là, on voit bien l'ordinateur de bord, toute l'électronique qu'il y a. Voilà, géré vraiment pas mal électroniquement. Écoutez ce joli klaxon, ce joli son aussi de la locomotive. J'adore. Par nuit aussi. On entend vraiment que c'est de l'électronique. Voilà. Après, donc, les tests d'exploitation et la certification ont eu lieu à travers l'Europe pour la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Turquie et même un voyage dans le tunnel sous la Manche en 2013. D'accord. En 2013, il a traversé la Manche. Au total, les variantes de la série Vectron sont certifiées pour fonctionner en 20 nations européennes, dans 20 pays. Elle a été créée pour être fonctionnelle sur 20 pays, parce que chaque pays a un petit peu des caractéristiques techniques au niveau de l'électronique et tout ça.
Et cette locomotive, en fait, elle peut vraiment être utilisée parce qu'en fait, le système d'alimentation et tout peut être réglé par ordinateur. On verra dans le jeu, en fait, on pourra le voir dans le jeu. On pourra régler l'itinéraire sur la phase française, suisse, autrichienne ou Allemagne. Ça, c'est ce qu'on peut utiliser dans le jeu, qu'on peut modifier dans le jeu. Mais là, ils nous disent qu'on peut aller jusque dans 20 nations différentes, 20 pays différents en Europe. Une belle image de ce Vectron avec le brouillard volumétrique. Comme vous pouvez le voir, le fameux brouillard qui est ajouté dans Transform World 4, qu'ils ont ajouté avec une plus grande densité, une plus jolie finesse au niveau des lumières aussi. On voit vraiment le détail là de ce brouillard volumétrique. Excellent. Et ils nous disent que, bien sûr, ce brouillard volumétrique, je le rappelle encore une fois, même si j'ai dit dans la roadmap 2, je l'avais dit, si vous avez pu la voir. Sinon, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Le brouillard volumétrique, donc, c'est une fonctionnalité graphique qui est disponible sur les PC, mais sur les consoles de 9e génération, telles que la PS5, l'Xbox Series X et S, et aussi l'Xbox One X. Voilà. Les PS4 et les anciennes Xbox n'auront pas ce brouillard volumétrique. Ils auront le Transform World 4, mais ils ne pourront pas avoir ce brouillard volumétrique. Parce qu'en fait, ça demande plus de graphisme, une meilleure qualité graphique. Donc voilà. Donc, ils nous disent que la variante Railpool du Vectron utilise une alimentation CA de 15 kW, 16,7 Hz, pour les services transfrontaliers entre l'Allemagne et l'Autriche. Dans Transform World 4, cela est représenté par les services de fret sur la ligne Vorarlberg, pardon, où les trains traversent la frontière juste avant Lindau. D'autres services ont été mis en œuvre dans la nouvelle horaire Dresden-Riesa, et les deux itinéraires utiliseront les nouveaux wagons Eanos. Donc en fait, on aura des nouveaux wagons également, les wagons Eanos, et il faut savoir que le Vectron ne sera pas que disponible sur le nouvel itinéraire autrichien de Transim World 4, mais il sera également disponible sur l'itinéraire de Transim World 3, Dresde-Riesa. Voilà. En revanche, il ne sera pas disponible sur Transim World 3. Il sera disponible sur Transim World 4 avec l'itinéraire Dresde-Riesa si vous l'avez acheté, sinon vous devrez l'acheter à part. Et il ne sera pas disponible sur truc. Par contre, si vous avez. Non. Il ne faudra pas l'acheter à part, pardon, parce qu'il est présent, Dresde-Riesa est présent dans l'édition Deluxe ou Special Edition. Et vu que vous pouvez uniquement avoir ce Vectron en édition Deluxe ou Special Edition, vous aurez automatiquement les deux inclus. Par contre, ceux qui prennent la version normale, attention, ceux qui prennent la version normale, déjà, ils ne pourront que jouer à partir du 26 septembre. Bon, c'est pas très grave, il va falloir attendre un peu plus longtemps, mais c'est pas très grave. En revanche, vous n'aurez disponible que la ligne américaine, la ligne autrichienne, pardon, et la ligne anglaise. Vous n'aurez rien d'autre. Vous aurez également le centre d'entraînement, bien sûr, mais vous n'aurez rien d'autre. Vous n'aurez pas le BR Vectron, là, que je vous présente. Vous n'aurez pas non plus Dresde-Riesa. Par contre, si vous l'avez eu dans le Transim World 3, vous l'aurez automatiquement dans Transim World 4. Mais si vous achetez la Normal Edition et que vous ne l'aviez pas eu, vous ne l'aurez pas cet itinéraire. Et vous n'aurez pas non plus la locomotive à vapeur. La Scotsman. Je vous invite vraiment à débourser un petit peu plus. Je ne se fais pas de pub hein, pour Transim World. Mais je vous invite quand même à débourser un petit peu plus. Un petit peu plus d'argent et vous aurez un peu plus de choses. Maintenant, c'est à vous de voir. Ils nous disent que l'utilisation du Vectron nécessite l'utilisation de la myriade d'écrans et de commutateurs numériques à l'intérieur de la cabine complexe et moderne. On les voit ici. Notre cabine de ce Vectron. Les phares, l'AFB, la limitation de puissance et bien plus encore peuvent être modifiés ou visualisés sur les quatre écrans. Et pour plus de flexibilité, les cadrans rapides peuvent être déplacés d'un écran à l'autre à l'aide de nombreux boutons et options interactifs.
Donc ça, on a pu un peu le voir aussi dans la vidéo, si vous avez pu voir la vidéo, le live qu'ils ont fait. En fait, ici, vous allez pouvoir modifier la caténaire, donc si vous êtes en version allemand, en version autrichien, en version français ou en version suisse, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir modifier les lumières, la luminosité, les lumières, vous allez pouvoir modifier les lumières à l'avant, à l'arrière, etc. Vous allez pouvoir modifier, mettre l'AFB en route. L'AFB, vous le mettez en route et après, vous avez juste le régulateur ici où vous augmentez la vitesse ou vous la diminuez. Mais l'activation de l'AFB se fait ici sur l'écran numérique. Et vous avez également d'autres possibilités aussi. Il y a plein d'autres possibilités qui seront disponibles ici sur les boutons. Et puis, vous pourrez modifier d'un écran à l'autre. C'est-à-dire que cet écran, vous pouvez le switcher qu'il aille sur cet écran, vous pouvez le switcher qu'il aille là, et ainsi de suite. Vous pouvez modifier, voilà. Vous pouvez faire des switches entre les trois écrans-là. Ils pourront se dispatcher les trucs. Donc, c'est pas mal. Et là, on s'arrête ici avec donc les fameuses informations sur le BR Vectron. Et là, on parle de la mise à jour Nahwerker Dresde Risa. Alors, cette mise à jour sera disponible gratuitement pour les joueurs possédant déjà l'itinéraire lors de l'achat de la version Prince World 4. C'est une mise à jour gratuite. Bon. Sinon, elle sera disponible, cet itinéraire sera disponible avec la mise à jour, bien sûr, sur les Deluxe Edition et Special Edition. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Ceux qui ont Deluxe Edition et Special Edition, vous aurez Dresde Risa, Nahwerker Dresde Risa. Par contre, ceux qui l'avaient déjà dans Tracy Moore 3 et qui n'achètent pas l'édition Deluxe ou l'édition spéciale, pas de problème, vous l'aurez quand même et vous aurez la mise à jour. En revanche, ceux qui ont fait qu'ils n'avaient pas ça, cet itinéraire sur Tracy Moore 3, ceux qui ne l'avaient pas sur Tracy Moore 3 et sur Tracy Moore 2, parce qu'il faut bien savoir que c'est un itinéraire de Tracy Moore 2, si vous ne l'aviez pas sur Tracy Moore 2 ou sur Tracy Moore 3, vous ne l'aurez pas dans Tracy World 4, donc je vous invite à acheter l'édition Deluxe ou spéciale. C'est ce que je répète encore une fois. Voilà, juste pour que ça soit bien compréhensible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai assez rapidement. Le populaire module complémentaire donc d'itinéraire Nahwerker Dresde Risa héberge le Vectron de Railpool et reçoit le traitement Tracy World 4. Donc la texture et la modification de Tracy World 4. Ça sera ajouté, ça sera mis à jour. Ceci est livré avec le nouveau service programmé de Vectron, pardon, le ciel volumétrique, l'éclairage TOD4 et l'ensemble complet de fonctionnalités de Tracy World 4. Voilà. Voilà l'ensemble, les mises à jour qu'il y aura. La branche Mason, qui a été initialement ajoutée dans la mise à jour Tracy World 2 Rush Hour, et également incluse. Là on voit une belle locomotive de nuit à Risa avec la neige qui tombe. Et là ils nous disent que cette ligne datant des années 1830 fut l'un des premiers chemins de fer longue distance d'Allemagne. Aujourd'hui l'importance de la ligne et le maintien L'importance de la ligne la maintient occupée par le trafic de passagers et de marchandises. Voilà. Elle est tellement importante cette ligne qu'il y a énormément de trafic encore passagers et de marchandises. Les services rapides battent le trafic régional grâce à l'utilisation des lignes distinctes qui empruntent chacune un chemin différent à travers la campagne saxonne. Et la périphérie de Dresde est desservie par des services de banlieue fréquents. Ici, on voit encore une autre belle locomotive, la BR-363 Shunter. En version bleu et blanc. Un bon choix de matériel roulant accompagne l'itinéraire qui dessert un mélange de trafic de S-Bahn, régional, interurbain et fret. La DBBR 442, la DBBR 143, c'est-à-dire le Vectron, la DBBR 146.2, le locotracteur ici présent DBBR 363 V60, et le MRCE BR185.5 qui était disponible dans le German Loco Add-on sur Tracy World 3. On avait eu quelques Loco Add-on et on avait notamment le
MRCE BR 185.5. Ils nous disent que de nombreuses couches de services provenant d'autres itinéraires compatibles TrainSim World sont également disponibles pour les joueurs qui possèdent cet itinéraire. Notamment le BR 406 ICE 3M qui sera également disponible sur cet itinéraire si vous l'avez. Et la DBBR 101 si vous avez acheté également le DLC qui sera disponible sur cet itinéraire. Ils nous disent qu'une liste complète des services et des couches peut être trouvée dans le guide de gameplay Navercar Dresder Risa. Voilà, tout simplement. Maintenant, ils nous parlent un petit peu du contenu bonus de la Nidertalban. La Nidertalban, c'est un scénario qui était présent dans TrainSim World 3 et que vous retrouverez dans TrainSim World 4 si vous l'avez acheté. Sinon, il faudra l'acheter sur TrainSim World 4. Une belle locomotive ici. 628-8. Au cas où vous auriez manqué notre gigantesque feuille de route, comme ils l'ont dit, lors de l'annonce, il y a une petite bonus pour les joueurs de notre itinéraire Nidertalban, compatible dans TrainSim World. L'équipe de TSG a ajouté une variante du DBBR 628-2 DMU dans une livrée DB rouge contemporaine, afin que cette unité amusante et populaire puisse être utilisée de manière plus prototypique dans Scenario Planner et Free Room, bac à sable, sur les routes allemandes modernes et les lignes autrichiennes du Vorarlberg. Donc, cette locomotive, elle était en couleur menthe à l'eau. Menthe et blanc. TSG, les créateurs de cette ligne, ont décidé de la faire en variante Dutchbahn. Donc en variante Dutchbahn de nos jours, version au rouge. À l'époque, c'était vert, menthe et blanc. Au jour d'aujourd'hui, c'est rouge et blanc. Voilà. Donc, ils ont décidé de mettre cette livrée sur la Nidertalban en cette couleur. Voilà. Ils nous disent que des couches de services comportant cette version du 628.2 apparaîtront également sans aucun doute au fil du temps et une partie du trafic IA est déjà implémentée dans le Vorarlberg à Lindau am Bahnhof. Ils nous disent que les joueurs disposant du module complémentaire Nidertalban Route recevront cette mise à jour gratuitement à l'achat de n'importe quelle édition de TrainSim World 4. Donc vous achetez n'importe quelle édition de TrainSim World 4, si vous aviez eu la Nidertalban dans TrainSim World 3, vous l'aurez automatiquement dans TrainSim World 4 et elle sera mise à jour. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant on parle un petit peu encore une fois de mode photo. Donc ils nous disent outils créatifs nouveaux et améliorés. Le mode photo, donc photo prise dans le jeu par le testeur Make Golds, avec le Free Room et la fonctionnalité exclusive PC Editor de Steam et Epic, le mode photo est l'un des nouveaux outils les plus importants arrivés dans TrainSim World 4. Cette fonctionnalité a la capacité de porter les compétitions de capture d'écran à un tout autre niveau avec beaucoup plus d'options et de place pour la créativité lorsque les joueurs manœuvrent la caméra et modifient les différents paramètres disponibles. Là on voit bien qu'il fait bien sombre, avec un joli brouillard volumétrique. Ceux qui ont un œil vif peuvent également se permettre d'être plus fortuites, en prenant des photos au fur et à mesure que le moment les prend, sans nécessairement avoir à planifier et à disposer les locomotives à certains endroits pour obtenir le positionnement et l'éclairage idéal. Les lecteurs réguliers nous auront vu utiliser des prises de vue en mode photo pour représenter à la fois des itinéraires nouveaux et existants de TrainSim World, y compris le prochain module complémentaire Blackpool, Preston, Romskirk de Just Trains. Ils nous disent qu'on peut cliquer sur les images, donc pour les visualiser, on va les visualiser. Ici, la ligne principale de la côte est, on retrouve ce fameux Southern High Speed, cette locomotive 395, et cette photo de Frank Sake. Ici, on retrouve une belle classe 66, si vous vous en rappelez un petit peu. C'est la ligne principale de la côte est également, la Southeastern High Speed, et là, c'est James Lewis. Non, c'est pas le Southeastern High Speed, ça, pardon, c'est le nouvel itinéraire qui sera disponible dans TrainSim World 4, itinéraire américain, anglais. Ici, on a Kevin Blecher, qui nous montre
une belle locomotive de l'Antelope Valley, le Metrolink. Ici, on a Josh Rubio qui nous présente la belle Scotsman à côté du joli Azuma. Donc vraiment deux générations, la génération de l'époque des trains vapeur et la génération de maintenant avec les trains électriques. Noé Berger, lui, il nous montre, j'ai l'impression que c'est, une BR 182, je crois, un truc comme ça. Alors que je retrouve le nom. Non, c'est la BR 442. 442, voilà. La DBBR 442. C'est ça, il me semble. Si je regarde bien, ouais, on dirait ça. Et Just Trains nous montre une photo Work in Progress de la Blackpool Preston Romskirk qui arrivera dans les quelques mois qui suivent la sortie de Transformer 4. Ils nous disent que la multitude de paramètres disponibles, ils incluent donc le paramètre de la caméra, profondeur de champ, point focal, rotation, champ de vision, et les paramètres de couleur, exposition, saturation, vignette, luminosité. Depuis le menu principal, les photographes pourront admirer leur propre capture d'écran depuis la galerie de photos et voir des informations clés telles que quand et où elle a été capturée, et également les télécharger sur le Dovetail Live. On reparle un petit peu ici du concepteur de livret et du planificateur de scénario 2.0. Ils nous disent que des améliorations et des ajouts aux options disponibles de Libera Designer et Scenario Planner sont également fournis avec Transim World 4, favorisant donc cette créativité que les joueurs nouveaux et expérimentés peuvent exprimer et partager avec la communauté florissante de Transim World. Les mises à jour du livret designer incluent les moyens de faciliter la création de fabuleuses livrées. Le placement du texte, on le rappelle encore une fois, avec les lettres individuelles qui étaient très très complexes, ont été annulés et cette fois, on peut y ajouter jusqu'à 1000 couches par livret et on peut l'écrire avec notre clavier. Et tout ça a été regroupé dans une interface utilisateur plus facile à utiliser, comme ils nous le disent. Une fois notre chef-d'œuvre terminé, ils disent que l'utilisation et le partage ont également été améliorés pour être plus faciles, avec la possibilité de basculer entre les livrets personnalisés pour les trains IA et d'autres améliorations apportées à Dovetail Live. En raison de l'ajustement de la dernière minute apporté au plan de diffusion, ils nous disent qu'ils n'ont pas pu présenter le scénario 2.0 et celui-ci a été déplacé vers l'aperçu Bac à Sable Free Room la semaine prochaine. Donc en fait, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est le 18 septembre. Donc au jour où je tourne la vidéo, c'est donc le lendemain. Le flux présente toujours un aperçu de la modification apportée au livret designer, un examen un peu plus approfondi du mode photo, du hub de partage en ligne, et également un aperçu de l'Azuma avec un rapide coup de klaxon. Ils nous disent, le scénario planeur 2.0 apporte également des fonctionnalités pour permettre plus de flexibilité lors de la création de notre propre séquence de services jouables et d'intelligence artificielle. Les heures de départ personnalisées permettent au train de démarrer immédiatement les uns après les autres. La sélection météo est désormais une option dans le menu du planificateur de scénario. Et lorsque nous partageons un scénario avec la communauté, un texte d'introduction personnalisé peut être affiché pour mettre notre création en contexte pour les autres. Pour les itinéraires de Transim World 4, y compris l'itinéraire Dresde-Riza, qui sera mis à jour, le chaînage de chemin est désormais disponible, ce qui signifie que les services qui ne doivent pas nécessairement se terminer immédiatement, une fois qu'on a voyagé du point A au point B, le même service peut revenir donc au point A
ou continuer vers un point C, puis D, etc. La prise en charge du portail pour les trains IA sur les itinéraires tracés moins de 4 permettra aux trains de circuler hors de la carte, leur évitant ainsi d'avoir à occuper des quais et des voies d'évitement une fois leur service terminé, permettant ainsi à davantage de trains de circuler pendant notre scénario. C'est-à-dire que là, on avait beaucoup, quand on arrivait en gare du terminus, on voyait beaucoup les trains qui s'arrêtaient et puis après, ils repartaient plus jamais. On avait beau rester longtemps, ils repartaient plus jamais. Ben là, finalement, ils vont repartir pour aller être stockés ou n'importe, mais ils vont sortir de la carte carrément. Et comme ça, ça permettra en fait à plus de trains de circuler sur les lignes. Voilà. Et encore une fois, ils nous disent que si on précommande, on aura un accès anticipé à partir du 21 septembre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre des commentaires si vous avez d'éventuelles questions, parce que c'est assez complexe. Encore pour certains, c'est assez complexe. Même moi, des fois, je ne m'y retrouve pas trop. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée. Vive les jeux vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.